épisode du calendrier de l'Avent. Ça fait déjà 15. Voilà. C'est pas facile de faire une vidéo par jour, mais je suis plutôt content. On ouvre la 15e. Allez. Alors, la Clockwork. Tangerine Session IPA. Voilà. 4,5 degrés, encore une session, donc une petite bière légère. Ça peut être sympathique. Et ben on met ça au frais. Et puis on en parle tout à l'heure. Few moments later. Et voilà, elle est sortie du frigo. La Clockwork. On n'a pas regardé ce qu'il y avait dedans. Au malt d'orge, levure houblon, arôme naturel de tangerine. Je suis tellement mauvais que je sais pas ce que c'est. Je l'écris là. Voilà. Pour vous dire ce que c'est. Alors, je me fais influencer par ce qui est écrit sur la canette, mais... Enfin, pas du tout d'ailleurs, par la couleur de la canette. Ça sent un peu l'orange, mais... un peu de médicament à l'orange. Oh, il y a une belle couleur en tout cas. L'orange. Voilà, on était généreux sur la mousse. Ami belge, je sais que vous appréciez particulièrement la mousse. Ça sent très fort. Un peu comme une bière de Noël où on aurait mis énormément d'écorce d'orange en fait. C'est très particulier, mais c'est plutôt bon. Ça sent énormément la peau d'orange en fait, juste la peau. Même pas la partie blanche, on a juste le côté orange de la peau. C'est très amer par contre. En tout cas, elle a du caractère, hein, parce que même à 4,5 degrés, on est sur un truc qui a du goût et... Enfin, c'est pas de la flotte, quoi. En tout cas, si vous aimez les bières un peu... qui goûtent un peu l'orange, nickel. Ouais, non, ça va. C'est pas ma favorite. C'est pas ma préférée, mais... je pense que ça fait le taf. Peut-être un peu trop amer, quand même. Mais bon, au moins, ouais, non. Il y a du caractère. Et bah, j'espère que celle-ci, elle t'a plu aussi, si t'as le même calendrier. Et moi, je te dis... À demain, 18h. Salut.